c'est un hymne au printemps. Juste pour percevoir les énergies créatrices de ce moment. Parce que la nature nous donne tout, essayons de savourer ces instants. Installons-nous confortablement tout d'abord. Fermons les yeux. La respiration se pose, se calme. Faisons silence à l'intérieur de nous. Car nous allons partir en voyage à la rencontre du printemps. Nous voilà. Le calme s'installe peu à peu en vous. Et vous allez vous retrouver dans le bel endroit de paix que vous connaissez et que vous aimez. Vous y êtes en sécurité. À présent, vous êtes au centre d'un cercle dessiné à même le sol et vous vous orientez de telle sorte que le nord est face à vous. Le sud dans votre dos, l'ouest à votre gauche et l'est à votre droite. Prenez le temps d'observer tout ce qui est présent autour de vous. Donnez-vous ce temps-là. Puis, lorsque vous avez repéré les directions, faites face à l'est. Et observez le soleil qui monte doucement. Le jour qui se lève. Tranquillement, vous vous engagez dans cette direction. Vous apercevez quelques habitations au loin. Un souffle d'air fait frissonner les blés. Puis vous entendez au loin le chant d'un coq de bon matin. Et, progressivement, le chemin que vous empruntez vous permet d'entrer dans une zone de végétation. C'est un espace verdoyant, toutes sortes de vers lumineux, étincelants, tendres et plus foncés. En effet, c'est une symphonie de vers, un jaillissement de vie. La nature s'éveille. Les bourgeons sont en passe d'éclore. Tout vibre à la vie. La sève monte dans les troncs et les feuilles s'illuminent d'un vert étincelant. C'est une très belle journée qui démarre.
et au fur et à mesure que vous avancez, le vent, comme une brise légère, vous accueille et vous enveloppe. C'est un léger souffle sur votre visage. Quelques larmes viennent se former au creux de vos yeux et glissent délicatement sur vos joues. C'est l'air vif qui fait pleurer vos yeux. Le vent fait frémir les branches qui se balancent. C'est le salut du matin. Les oiseaux s'éveillent aussi, c'est un vrai ravissement. C'est une fête incessante, une joie profonde qui célèbre cette renaissance de la nature. Prenez le temps de vous remplir de cette belle énergie. Votre corps est souple, en harmonie avec cette nature nouvelle. Vous êtes libre de vos mouvements. Vos muscles sont forts. Vos pieds foulent cette herbe verte. Et vous pouvez observer toutes les nuances que la nature offre à vos yeux. Des nuées de papillons s'envolent sur votre passage, légers, colorés. Vous êtes attentif au battement de leurs ailes. Vous les suivez un moment vers leur destinée. C'est la rencontre à la vie. Une grande force circule en vous, comme la sève monte dans les branches de ces arbres. Tout vibre à l'unisson. Cet élan monte en vous. La vie vous accompagne. Autorisez-vous à renaître au rythme de cette nature.
vous laisser envahir par elle. Laissez-la surgir. Laissez-la jaillir dans cet élan de confiance. C'est une belle énergie. Prenez le temps de vous y baigner. Savourez. Profitez de ces chants d'oiseaux. Et restez. Autant qu'il vous plaît. Nous pouvons remercier pour cette belle rencontre avec le printemps. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez décider de revenir tranquillement dans cette pièce. Puis ouvrez vos yeux. Et vous prendrez une grande inspiration. Prenez le temps de vous étirer. Bougez vos jambes et retrouvez une position confortable. Entrez dans votre espace personnel. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Imaginez que vous êtes une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui repose au petit matin. Cœur de cette fleur magnifique. Vous êtes cette fraîcheur limpide. Sentez la douceur du cocon dans lequel vous reposez. Le velouté de cet écrin qui vous accueille. Ressentez la rondeur que vous êtes. Une goutte d'eau transparente et cristalline. Et puis, lorsque le soleil se lève au-dessus des montagnes verdoyantes, commencez à percevoir la lumière qui
qui pénètre les pétales qui vous enveloppent. Sentez la chaleur vous envahir. Peu à peu, vous vous sentez soulevé, enveloppé d'une légère brise qui vous transporte au-delà de ce berceau d'un instant. Et, ainsi porté, balancé, bercé, vous allez à la rencontre de tant d'autres gouttes d'eau. Laissez-vous guider et permettez-vous de traverser les lumières de l'arc-en-ciel. Voilà que vous arrivez dans la lumière bleue. Laissez-vous baigner dans la lumière bleue. Sentez le courage et la force en vous. Évaluez la volonté qui vous habite et qui vous permet d'avancer. Voyez encore cette couleur bleue. Puis les couleurs se mélangent peu à peu et vous entrez dans le rayon de lumière jaune. Laissez-vous baigner dans cette couleur jaune. Sentez la chaleur et la lumière qui émanent du soleil. Laissez monter la joie, la gaieté à l'intérieur de vous. Sentez cette chaleur qui réchauffe le cœur. Laissez la sagesse vous pénétrer. Observez cette lumière jaune. Puis, tranquillement, vous arrivez dans le rayon de lumière rose. C'est un souffle d'amour qui vous parcourt. Permettez à vos cellules de s'accorder à cette vibration. Ressentez la tendresse et la douceur vous envahir. Vous êtes dans la lumière rose et vous laissez entrer toutes ces particules de lumière en vous. Vous continuez votre voyage et vous arrivez maintenant dans un rayon de lumière blanc. Vous entrez dans ce nuage blanc, léger, c'est doux comme de la ouate. Vous êtes réunis en un tout. C'est un endroit de paix, lumineux, un endroit suave et serein. Laissez cette lumière divine vous envahir, pure et blanche. Permettez à ces sensations de vous envelopper tout entier, tout entière. Intégrez-les au rythme de votre respiration, calme, régulière, profonde. Thank you.
Vous voyez maintenant la terre en dessous de vous. Elle vous appelle irrésistiblement. C'est plus fort que tout. Alors, comme aimanté, vous descendez vers elle, sur elle. Et, dans un rayon de lumière vert, vous devenez la pluie. L'énergie de la vie coule en vous. Tous les possibles sont inscrits. Voyez cette lumière verte vous inonder comme la grande force de la nature. Vous arrivez sur la terre. Une immense lumière orange vous envahit. Grande sensation de paix en vous. Vous êtes calme et serein. Vous vous baignez dans ce rayon de lumière orange. Puis, vous entrez dans la terre. Vous vous glissez dans tous les interstices qu'elle vous offre. Vous courez, vous dansez, vous éclaboussez. Vous jouez, vous riez, vous vivez. Laissez-vous envahir. Laissez cette puissance vous envelopper. Ouvrez-vous à cette force de vie. Vous êtes à présent dans un rayon de lumière violet. Vous arrivez dans la plaine. Et vous traversez des prairies. Vous sentez les plantes et les feuilles vous saluer au passage. Vous vous sentez renaître à votre vraie essence. Puis, vous devenez fleuve. Et vous continuez votre voyage jusqu'au vaste océan. Sentez les fluides circuler en vous, comme autant de rivières qui communiquent et qui vous apportent la force, celle des océans. Celle des nuages, de la pluie, des sources, des rivières, des torrents. La force du ciel, la force de la terre. Sentez toutes ces forces en vous qui vibrent, qui circulent, qui crient la vie. Qui court et qui danse en vous. Permettez à l'essence de votre être de rencontrer votre conscience. Et avec cette belle énergie que vous faites émerger tout de suite,
vous allez pouvoir revenir progressivement ici. Dans cette pièce, remerciez encore pour cette belle rencontre. Prenez une grande inspiration. Prenez le temps de vous étirer. Et dès que vous le déciderez, vous pourrez alors ouvrir vos yeux. Fermons les yeux et voyons la position dans laquelle nous sommes, ici et maintenant. La respiration est consciente et se calme peu à peu. Préparons-nous à présent à partir à la découverte d'un jardin extraordinaire. Paisible et beau. C'est un endroit de paix. Où l'on se promène tranquillement. Tout est calme. Et nous pouvons enfin être nous-mêmes. Pleinement. Et dans ce jardin, nous sommes attirés par une fleur. Nous nous approchons d'elle. L'observons avec attention. Sa couleur,
ses pétales. Nous savons que nous pouvons prendre soin d'elle. Lui faire de la place tout autour. Lui apporter de l'eau. L'abriter du vent. L'admirer. L'aider à grandir et à se développer. Son parfum embaume tout autour et vient se mettre en mémoire au plus profond de nous. Cette senteur nous ravit et nous enveloppe de sa belle énergie. Tout rayonne autour, comme si le soleil venait justement poser sa lumière sur elle. C'est un espace de paix et de sécurité qui s'ouvre devant nous et en nous. Car cette merveilleuse fleur est en nous. Comme un cadeau perpétuel que nous ignorons. La présence à nous-mêmes. Que nous tentons de cultiver aussi, de protéger. De faire grandir. Cette conscience intérieure est reliée à toutes les forces qui sont en nous. Ce sont nos ressources invisibles et puissantes. Laissons-les s'exprimer. Comme autant de qualités que nous pourrions nommer et énumérer. Entendant ces mots, comme une chanson que le vent murmure à nos oreilles, ainsi, nos qualités s'exposent. Quel étonnement de laisser monter tous ces mots qui parlent de nous.
Ils s'affichent sur un écran invisible et sont autant de ressources. Nous savons à présent qu'elles sont disponibles et vivantes. Pour toujours. Alors, dans ce moment présent, autorisons-nous à ramener ce plein potentiel ici. Remercions. Et quand nous serons prêts, nous prendrons une grande inspiration. Pour revenir ici, et maintenant, dans cette pièce.